Bienvenue à Marseille, au cœur du parc Pastré, où la solidarité et l'espoir s'unissent pour une cause qui nous concerne tous, les virades de l'espoir. Chaque année, cet événement rassemble des milliers de participants partout en France, prêts à relever des défis sportifs et à partager des moments inoubliables. Ensemble, sensibilisons le public à la lutte contre la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est la maladie rare la plus fréquente en France. Aujourd'hui, en France, on décompte environ 8000 patients. C'est une maladie respiratoire, mais aussi digestive, ça on ne le sait pas beaucoup. Une nouvelle thérapie est arrivée sur le marché français donc en 2021. Elle a nettement amélioré la qualité de vie des patients qui pouvaient en bénéficier, mais pas tous les patients peuvent en bénéficier puisqu'il faut avoir un certain profil génétique. Et les patients qui ont subi une greffe pulmonaire ne peuvent pas non plus avoir ce traitement puisqu'il n'est pas compatible avec les anti-rejets. À Marseille, on a deux centres de soins qui suivent les patients. Donc un centre adulte à l'hôpital Nord, avec également un centre de transplantation. Et puis à l'hôpital de la Timone, ce sont les enfants qui sont suivis là-bas, avec également un centre de transplantation. Dans ce cadre magnifique, petits et grands s'engagent à travers des courses, des marches et des activités ludiques, tous motivés par une même envie, faire avancer la recherche et apporter du soutien aux malades. 3, 2, 1, c'est parti ! Comment Il y en a pour tout le monde, je pense. Il n'y a pas besoin d'être assidu, mais voilà, il en faut pas plus pour les personnes, on va dire débutantes ou intermédiaires. Et toi, tu te situes où Intermédiaire, moi. Débutante intermédiaire. Allez, bon courage. Merci. Alors, c'est quoi ton prénom? Marceau. Alors, un petit mot sur cette course, hein. Bah, c'est trop bien. Je suis très contente de courir et c'est nickel. Allez. Alors il va plus vite que toi ou pas là, parce que... Bah j'essaie de le ralentir un peu. T'arrives à suivre? J'ai du mal. Mais voilà. Alors que je retrouve de l'énergie. 4, 3, 2, 1 et c'est parti pour la marche.
Les enfants, va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup m'écouter. Parce que là, pour qui vous allez courir pour la vie. D'accord? Donc pour la vie, pour le souffle. Ok? Donc le souffle pour la vie. Répète après moi. Le souffle pour la vie. Le souffle pour la vie. Et ça va aller très très vite, les enfants, on ne se bouscule pas. D'accord? Et je répète, vous suivez les personnes qui ont le drapeau blanc. 3, 2, 1, 0! Les virades de l'espoir, c'est aussi l'occasion de rencontrer des héros du quotidien. Ces enfants et adultes qui, malgré les obstacles, font preuve d'un courage incroyable. Leur détermination nous inspire et nous rappelle l'importance de l'entraide. Moi je suis papa et Samuel c'est mon grand qui a la muco. Donc hyper important pour nous d'être là aujourd'hui pour soutenir les virades de l'espoir qui sont des événements de sensibilisation autour de la maladie et de collecte de fonds. Donc très important parce qu'il y a beaucoup de nouveaux traitements. Toi t'as quoi comme traitement Sam? Le Castrio. Depuis combien de temps? Un an. Donc c'est un super traitement qui change pas mal de choses. T'aurais pu courir les 13 km sans le Castrio? Non. Ouais, difficilement en tout cas. Donc hyper important, mais ce traitement, il guérit pas encore la maladie. Premier point, et deuxième point en plus, il y a encore beaucoup de mycos qui peuvent pas l'avoir ce traitement parce qu'il est pas adapté pour eux. Donc il faut continuer à sensibiliser, continuer à collecter des fonds pour pouvoir faire avancer la recherche. Et puis concrètement ici à Marseille, les collectes de fonds, elles servent, on verse tous les ans plus de 200 000 euros à l'hôpital Nord et à la Timone pour subventionner du matériel médical, des postes de soignants et puis des aides financières aussi pour les familles. Donc très important et nous on adore parce que c'est des événements qui sont hyper cool. Les organisateurs sont très sympas, c'est festif, il y a de la musique, il y a des tireuses à bière, il y a des jeux, il y a des activités. Le parc Pastré c'est magnifique. On voit la mer, enfin c'est top quoi. Hier, il y avait un tournoi de tennis qui était organisé à Carry-le-Rouet par l'association TC Carry et donc par Carry Espoir. Et aujourd'hui, elle nous remet un chèque de 1130 euros. Donc, bravo et merci beaucoup Sarah. Je te laisse le micro, c'est plaisir de vous. Merci à vous. Bravo pour cette belle organisation, on passe un très bon moment. Les enfants sont ravis, les grands aussi, les coureurs aussi. Donc bravo pour tout ce travail qu'il y a eu derrière. Merci à tous pour votre mobilisation. Rendez-vous en 2025. Ensemble, faisons la différence.